je m'appelle Julien Lemoine, j'ai 35 ans. Je suis le responsable de Husking Creuse. Husking Creuse, du coup, nous, c'est une association qui récupère du chien nordique abandonné qui vient soit de la SPA, de la foyère ou l'abandon de propriétaire. Et on ouvre donc les activités pour les personnes donc valides en situation de handicap. Oui, du coup, je suis creusois, donc je suis né à Guéret et je m'arrache de Bussière-Dunoise. Donc j'avais fait un séjour multi-activité chien de traîneau, motoneige à Québec, il y a un peu plus de 10 ans de ça. Et là-bas, du coup, donc, j'ai demandé au musher si je pouvais venir en fait en stage chez lui. Et pendant 3 hivers, je prenais des vacances donc à mon travail et j'allais l'aider là-bas. J'étais ce qu'on appelait handler, c'est-à-dire que je l'aidais à la mise en place du chien de traîneau, faire des sorties en motoneige, enfin voilà, c'était plutôt une sacrée expérience. Et du coup, au bout de 3 ans, j'ai voulu donc monter ce projet, donc récupérer du chien nordique à la Creuse parce que déjà je suis natif de la Creuse, je suis très fier d'être creusois. Le territoire s'y prête également. Clairement, c'est le petit Québec. Hein. Ça ressemble vraiment à où j'étais, sauf qu'il fait un peu plus chaud, mais c'est vraiment. C'est exactement pareil. Donc voilà. Et puis, pourquoi pas. Je pense que les attraits de la Creuse, c'est le tourisme, clairement. Si on veut sortir, essayer de faire bouger tout ça, il faut essayer de développer. Il ne faut pas avoir peur, il faut essayer de développer des activités. Être creusois, c'est. Du coup, on vit dans des grands espaces où il y a peu d'habitations. C'est la nature, c'est des paysages vallonnés. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse découvrir notre territoire à tout le monde et il y a un réel potentiel en Creuse.